Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 246 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Pastiland. Voilà, vous entendez la musique déjà? Sur quoi on peut jouer? On va tap, tout continue. Tap, tout continue. Et en fait, ça a l'air d'être un jeu en mode puzzle, sauf qu'en fait, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer, donc je sais pas à quoi m'attendre en fait. Voilà, on va y jouer ensemble. C'est très pâte à modeler. Tutorial Moon. Donc on va faire la Moon tutorial en Shiver. Ah si. Je l'ai démarré le jeu, je me rappelle. Je me rappelle maintenant. Alors en fait c'est une sorte de... Comment s'appelle le... Voilà. Il y avait un jeu très vieux qui s'appelait... qui avait un certain nom. Et qui permettait voilà, d'aller à un point à un autre. Il fallait emmener... comment ça s'appelait? C'était du petit bonhomme, là. Il fallait les emmener d'un point à un autre. Voilà. Je me rappelle plus. Mais c'était un jeu que Marcus avait fait sur... avait testé dans Level 1 sur Game 1. Et ça me rappelle... Ça, déjà, premier lieu, c'était pas en pâte à modeler. Hein, mais ça me rappelle des choses. Alors là, à ce que j'ai compris, donc le but, vous avez un petit bonhomme. Vous lui donnez une expression ou une action à faire. Et automatiquement, voilà, par exemple, là, il va devenir un gant qui creuse. Ça veut dire que si j'attends, hop, qu'il soit pile poil au-dessus, il devient un gant qui creuse. Donc il creuse. Et il va à la sortie. Donc c'est le but, c'est de les emmener à la sortie. En les aidant un petit peu. Donc là, il y a un start-finish. Et qu'est-ce que je peux faire? Voilà, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire avec mes bonhommes? Donc là, j'ai une chenille. Ok, on clique, on choisit la chenille. C'est un peu enfantin quand même. Même beaucoup. C'est... Ouais. Allez, tourne. Voilà, donc j'ai des étoiles à chaque fois pour l'instant. Pour l'instant, je suis un tutoriel, donc en même temps, c'est pas très compliqué. Mais... Ça démarre là. Qu'est-ce que je peux faire? Un ballon de foot. Ballon de foot. Ballon de foot, c'est peut-être juste pour tomber d'une hauteur, je pense, sans mourir. Donc ils nous font tester. Oh là, il va y en avoir deux là. Et il m'en faut un pour finir, je pense que ça doit être ça. Il va y en avoir deux. Ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il y en a un qui fait pont. Et l'autre, il arrive. Et il monte sur le pont. Et il y va. Donc c'est pour ça qu'il y en a deux, et que il faut qu'il y en ait au moins un qui finisse. Donc on a un pont... Alors on va faire le tour, je pense, de tous les trucs. Je connais pas du tout... Donc là j'ai... Je clique dessus, et ça c'est quoi? Sens interdit. Ah donc d'accord, les autres ils vont dire... Oh, demi-tour. Donc ça leur fait faire demi-tour. C'est vraiment... ça me rappelle, putain, le jeu. Oh, comment il s'appelait? C'est avec les petits bonhommes là, c'était un truc énervant. Alors là j'ai un ninja. Ninja, hop. Ah non, c'est une bombe. C'est juste un ninja. Ok, le truc il fait un trou. YOLO. Donc de toute façon voilà, c'est du pur puzzle parce que derrière quand on va passer dans le vrai jeu, bah il faudra résoudre les puzzles avec ce qu'on a quoi. Parce que je pense qu'on n'aura pas tout, sinon ça serait trop simple. Et puis on l'a pas une infinité de fois non plus. Donc là, un petit bonhomme qui creuse. Un creuseur. Je pensais qu'il aurait fallu avancer un peu plus. Et on le retransforme en normal. Oui, parce qu'il faut pouvoir le retransformer aussi, du coup sinon ça marche pas. Donc il faut avoir le truc qui retransforme. Alors ça c'est un truc qui inverse le sens. Ok, donc là, on mange. Non.
Et là on se met à creuser. D'accord. Donc dès que je rencontre une zone comme ça, ça me retransforme normal. Ok, donc il va falloir céder de ces zones-là, effectivement, parce qu'on va pas retransformer tous les bonhommes. Là, on a l'air d'avoir des transporteurs. Bon, là, du coup, je suis pas trop en train de jouer, parce que je suis pas en train de me casser la tête, étant donné que c'est un tutoriel. On fait un mètre vers ça, donc on a le droit de faire un aller vers ça. Et donc là, j'ai un ballon. Lui, je le retransforme en normal. Il va falloir que je le transforme en ballon parce que sinon il va mourir. Ok. Et voilà, il s'est retransformé tout seul comme un grand. Et il tombe dedans. Je sais pas combien de temps ça dure le tutoriel. J'espère que ça dure un peu tout le temps de la vidéo, que j'ai le temps d'avoir un peu la honte. Donc là, il faut que je récupère des bonus qui sont là-bas. Donc je vais me transformer en rien du tout. Donc là, on fait le pont. On va récupérer le truc qui mange. Bon, faut au moins un, donc. Hop, c'est demi-tour. YOLO. Et on devient quelque chose qui mange. Il faudrait que je pense que je vais... si ça continue encore, je vais aller... Ah bah non, voilà, j'allais dire si ça continue encore. Allez, c'est parti, on va dans le monde 1. Et on va faire les niveaux que j'avais fait. Et que j'étais pas bien arrivé non plus. C'est le premier niveau du monde 1. On va voir maintenant que j'ai suivi le tutoriel, parce que je l'avais pas suivi au moment où je l'ai fait quand même, toute la dernière fois. Ah donc je peux pas transformer un bonhomme comme ça en bonhomme qui creuse. Par contre, un bonhomme comme ça, il peut creuser. Mais ça sert à rien du tout parce qu'il va mourir. Et que je vais perdre ce niveau. Voilà, voilà. On recommence ce niveau. Allez. On est parti. Est-ce qu'il vaut pas mieux que je creuse là? Et que lui devienne mangeur. Voilà. C'est un peu mieux. Et plus de... Voilà, ils en attendaient un, j'en ai mis, je les ai tous mis. Ouh. Donc voilà, c'est vraiment des trucs casse-tête, c'est vraiment le genre de jeu... Voilà, que je vais vous dire que j'aime pas non plus. J'aime pas ce genre de jeu. Attends, pause. J'ai pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va devenir mangeur. Il va devenir maître. Voilà. Et les trois autres vont devenir ballon de foot. Voilà, voilà. Yep. Et il avance. Et c'est parti. Et machin. Ouh. Je pense que ça va vite m'énerver. J'aime pas ce jeu, c'est lent. Oh mon dieu. N'en finis plus. Regardez-moi. Regardez-moi tous ces portails. Lui emmène vers lui. Donc ça veut dire que là, lui, il doit manger.
il se retransforme en normal. Il va creuser son trou ici. Et lui, il va creuser un trou ici. Voilà, normalement je finis le niveau. Excellent, vas-y, attends dans le trou. 1, 2, 3. Ah, il y avait un truc finish level. Parce que le jeu sait que. Bah, allez, j'en fais un dernier juste pour vous. Et après, je pense qu'on arrête le test parce que j'aurais à peu près compris là, voilà, le principe du jeu. C'est toujours un jeu indépendant. L'idée est bonne. Cela dit, moi j'aime pas du tout. Ces jeux. Donc là j'ai mis un stop, mais le finish, est-ce qu'il va arriver à y aller? Hein? C'était quoi l'intérêt du jeu en fait là? Est-ce qu'il y avait mieux à faire par rapport au... Je sais pas, il y avait sûrement un truc mieux à faire. Je sais pas, j'ai pas compris. Voilà, j'ai dit que c'était le dernier niveau. On va s'arrêter là. D'avis général, c'est plutôt beau. C'est plutôt beau, même si c'est de la pâte à modeler. Donc c'est quand même, il y a quand même un effort quand même sur le graphique. Faut aimer le jeu style enfant, qui n'est pas sûrement pas fait pour les enfants, en tout cas en bas et moyen âge, parce que bah il faut quand même réfléchir un peu. Je pense que un enfant de à partir de 8, 9, 10 ans, ouais, il peut jouer à ça. Et je pense qu'au bout d'un moment, bah, il va vite en avoir marre. Il va savoir au bout de sa patience. Mais sinon, voilà, c'est assez simple. Il y a des trucs qui transforment les bonhommes. Enfin, il y a des trucs, les transformateurs en mode de bonhomme. Là. C'est assez simple, il n'y en a pas 40. On voit très bien ce qu'ils font. Voilà. La musique est sympa, c'est juste un peu lent. Faut faire ça quand on s'ennuie. Hein. Faut pas vouloir de l'action quand on joue dans ce jeu. Dans ce jeu, ça veut rien dire du tout. Voilà, donc on s'arrête là pour ce test, donc de... J'ai oublié le nom. De Pastiland, voilà. Et je vous dis que si vous avez aimé, voilà, dites-le. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu en commentaire. Dites-moi plein de choses. Essayez de me faire ressentir votre ressenti. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !